Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 2 juin 2021. Les marchés sont assez slow-mo depuis ce matin. Là. C'est up and down, une couple de fois. On a 3 dixièmes de 1% de hausse. Les marchés qui sont toujours sans direction. Je vous montre ça à l'instant. Ici, vous allez voir depuis le 24 mai, qui s'est à peu près rien passé. Donc, regardez, là, c'est tout le même mouvement là, qu'on peut mettre dans une petite boîte rectangulaire là, sur tous les marchés. Le TSX qui a monté un peu plus que les autres, mais c'est vraiment super tranquille. Du côté des ressources, c'est bien tranquille aussi. On a une petite poussée dans l'argent là qui n'est pas bien grosse. Le pétrole, ça stagne. Les pétrolières sont en fin de cycle. À mon avis, ça n'ira pas plus loin que ça à très court terme. Le dollar américain est en hausse ce matin et maintenant, il est rendu à zéro. La grosse activité, là, tu regardes ça, c'est notre tableau de day trade de ce matin. Les stocks qui semblaient avoir le plus de potentiel, les stocks autres que ceux des Wall Street Bets, là, parce que c'est encore ça qui sévit, là, les short squeeze. Regardez, j'ai le tableau ici des Wall Street Bets. Là. AMC Entertainment. Dans les dernières minutes, depuis 11 heures, il y a eu GameStop qui a monté. Il y a Beyond Meat. Il y a Palantir. Virgin Galactic qui remonte. Il y a Tilray qui est en train de faire encore un nouveau haut. Il y a Naked Brand qui est décollé à 11 heures et à 67 cents à 11h30 à peu près, juste avant que l'émission décolle. Il y a eu BlackBerry qui a monté, mais c'était surtout en hors séance depuis l'ouverture. Il n'a pas produit tant que ça. Il y en a plein d'autres aussi. Il y a eu Express aussi qui vient de faire un mouvement 5,40, 5,70. Là, il est en train de redescendre. Ça fait que c'est encore les Wall Street Bets là, qui jouent avec ces stocks-là.
pas grand-chose d'autre à dire que ça là-dedans. Là. Je veux dire, c'est un marché vraiment, vraiment, vraiment tranquille, super plate. Les affaires sont au compte-gouttes. Tiens, si je vais voir sur Guru.tv, regarde, on a un élan haussier à Toronto, aux États-Unis, deux à New York, deux à Nasdaq, zéro sur New York. C'est effrayant comment il n'y a pas de matériel, on n'a rien à travailler avec, à part les mouvements intra-séances qu'on a dans les Wall Street Bets. Regarde, on va regarder le secteur ici. Regarde, tu vois, c'est des stocks de même, mais ça n'a pas rapport avec la compagnie, ça a rapport avec le fait que des short squeeze. Vous voyez, les activités, c'est là, GameStop, Cost, qui est moins fort que les autres, Express, qui est revenu à sa résistance. C'est tout des mouvements comme ça, provoqués par ce groupement-là. Bed Bath & Beyond était tranquille jusqu'à temps qu'il redécolle le matin à 10h30, 29 à 39. Écoute, regarde, c'est quelque chose pareil. Là, c'est fini, par exemple, en bas de 37, là, ça va être complètement inversé. Fait que les mouvements, ici et là, sur un petit groupe de titres, tiens, je vais loader le tableau. Attends un peu, je vais me débarrasser de quelque chose là. Bon, OK, donc le tableau B, je ne l'avais pas ouvert. OK, enfin, je peux me permettre d'ouvrir celui du cannabis. Donc, dans le cannabis, là, on vient d'avoir un mouvement à 11h et à environ 11h30. Hein, c'était 11h29. Il y a Weed qui est redécollé, ACB, Tilray. Mais ça monte tout pour les mêmes raisons, encore une fois, là, de pousser à la hausse sur ça. Ça a peut-être changé un petit peu la situation du côté des graphiques quotidiens. Je vais regarder. Bon, vous voyez, regarde, c'est même pas encore. C'est du mouvement à très, très, très court terme dans une petite formation neutre pour ce qui est de HMMJ. Puis tout ça, même EXO, vous voyez, ces hausses-là, c'est rien de très significatif. C'est juste du day trade. Tiens, regardez 48 North qui est en hausse, mais à côté à une résistance. Tilray qui est à côté à sa résistance aussi. Les deux Tilray, en fait, Weed, c'est la même chose. Donc, ce sont juste des mouvements intra-séances très courte durée, très éphémères. On n'a pas encore de nouveaux cycles dans le secteur, mais il y a, comme je vous disais, il y a du mouvement intra-séance qui n'est pas des grosses affaires non plus. Là. Aurora, 11,75, 11,95, c'est 20 cents sur 11 piastres. Fubo, 25,75, prise de profit à 32. Fubo. En voulant un autre aussi qui est pas mal à sa résistance. On va enlever son gros volume ici, celui-là aussi. On voit que son volume est assez moyen pour la journée. Il a quand même traversé sa résistance à très court terme là, dans le graphique quotidien. Mais là, on est poigné à une deuxième. Vous avez payé 27,75? Hein? Mon Dieu, ça fait longtemps. 27,75. Oups. 27,75. Donc, ça date au moins du mois de mars. Prise de profit à 32 en swing. Trop gourmand. Ben, je vous le souhaite bien. Pour l'instant, c'est le premier signe qui est en train de redécoller. Attendez un peu, je vais remettre ça pour une douzaine de jours. On va voir. Ce qu'on voit ici... depuis le 12 mai, là, c'est depuis là, là. OK? Donc, c'est la hausse de là à là. Là, au moins, on essaie de traverser la résistance. Je ne penserais pas que ça va aller là plus loin aujourd'hui parce qu'on est pas mal rendu sur le haut du couloir. 32, ça pourrait être envisageable, mais je ne peux pas le visualiser dans le graphique intra-séance. 32 piastres, c'est à peu près là. Donc, c'est le niveau de cette résistance-là. Oui, c'est tout à fait possible, mais ça ne se passera pas aujourd'hui. Ça va se passer dans les prochains jours. Regarde, 20, 22,
C'est des fois, il fait ça dans une journée. Gars, ici, il est parti de 21 à 24. Donc, il a fait 2-3 piastres. Donc, il peut faire une couple de piastres. Mais ça n'arrivera pas parce que là, pas tout de suite, parce que là, déjà, il a fait 2 piastres, c'est 61 aujourd'hui, puis il est rendu sur le top de son couloir. Mais ça va prendre un petit peu de patience. De toute façon, vous êtes à 25,75. Puis là, il vaut 26,89. Faites une pièce. OK? C'est à peu près comme 4 % là. C'est à peu près ça que ça vous donne, étant donné le prix que vous l'avez payé à 25,75. Ça veut dire que, regarde, c'est 25,75, c'est ici, là. Même un petit peu plus bas. Bon, environ là. Fait que vous faites juste ça. Je pense que vous avez des chances de revenir plus bas que le prix que vous l'avez payé. Si je regarde ça, là. Là, il vaut 27. Fait que 25,75, vous faites une pièce et quart. 25,75, c'est juste en dessous du support ici. Ça fait que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il continue encore un petit peu de manière à ce que vous puissiez prendre un profit. Mais dans le moment, ça vous prendra au moins un stop au prix payé. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver. Je pense que ce serait prudent de mettre un stop au prix payé. Mais moi, je vous incite à aller chercher. Il n'y a pas de petit profit. Hein? Ça fait que à 27, là, 25,75, une pièce et quart, ça veut dire 24,5. Ça veut dire que si, attends un peu, 25,75 à 26,75, ça fait une pièce, c'est à peu près une pièce, donc 24,75, mettons, là, faire des chiffres ronds. Là. Donc, de votre prix, si vous preniez un profit ici maintenant, ça ferait descendre votre prix de revient là. Moi j'irais pour la prise de profit immédiate. Puis je mettrais un stop à 25,80. Moi, je prendrais un profit là, stop à 25,80, puis après ça, je laisserais ça aller. Très payant, les Wall Street Bets. Bien, écoutez, pour quelqu'un qui connaît son analyse technique à très court terme, c'est la seule place que ça bouge vraiment. Bien oui, il y a de l'argent à faire. Les signaux, il y en a eu plein. Là, regarde, des gros signaux traditionnels, là, 140 à 143 pour Beyond the Meat, puis qui continue à monter dans le moment. Regardez, Cost vient juste de donner un autre signal à 27,20. Il y a eu Naked Brand tantôt qui a été d'un premier mouvement d'inversement de tendance, après ça de la résistance, 65 cents, 73 cents. Là, on est entre les deux. Point de sortie, 70 et demi cents. Puis et ainsi de suite, là, oui, c'est payant parce que c'est rien que là qu'il y a de l'activité. Fait que quand en analyse technique, on s'en fout des raisons pourquoi ça monte. C'est que ça monte, les volumes sont là. Regardez, les volumes sont très forts partout. Mais c'est à l'envers, là. Ça monte pas parce que c'est des bonnes compagnies, ça monte parce que ceux qui ont shorté se font squeezer. Mais c'est pas grave, ça monte. MRNA, maintenant, 193,70, breakout 186, est-il crédible pour prendre position en vue d'un swing trading? MRNA, c'est les infectieuses. J'ai ça ici. Oh, on est vraiment, vraiment, à mon avis, sur un top. Il n'y a pas vraiment de gros volume là-dessus aujourd'hui. Moi, ça m'apparaît pas mal le même cycle. De toutes les manières qu'on le regarde, il est sur un sommet. Moi, je trouve que c'est pas avantageux d'aller chercher ça là. Il vaut 192,39. Vous êtes 193,70 parce qu'il n'est plus sur son top. Là. Il est allé à 194,5 à peu près. Là, il est sur le point d'inverser son cycle d'aujourd'hui. Donc, 191 $, c'est un point d'inversement. Là, vous dites, est-il crédible de prendre position en vue d'un swing trading? Mais écoutez, moi, regarde, si vous achetez des stocks en swing trading après des cycles de ce grosseur-là, bien, ça ira pas bien dans votre histoire de trading, parce que
c'est beaucoup trop avancé pour s'embarquer là-dedans. Pétrolière, c'est un nouveau cycle aussi. Non, c'est pas un nouveau cycle aussi, c'est en fin de cycle. On est en fin de cycle. On est sur le top du couloir dans les pétrolières, de toutes les manières qu'on peut le regarder, qui est même dépassé. Mais 1, 2, 3, 4, 5, c'est la sixième journée en hausse du côté des pétrolières. On est à toute fin pratique tout proche d'atteindre la résistance. On a inversé la tendance, mais on n'a pas encore inversé la résistance. Les volumes sont extrêmement faibles, même pour la semaine, puis pour la journée d'aujourd'hui. Hier, il y a eu un plus gros volume, mais bon, pour moi, on est bien plus sur la fin d'un cycle que sur un début de cycle. Peu importe la grosseur qu'il y a eu. Puis ça a été, c'est pas tous les stocks qui ont progressé, c'est quelques-uns, puis qui sont tous rendus aussi sur un top, comme EFR. Tu sais, il n'y a rien qui débute, là. Dans tous les titres pétroliers, il y en a qui sont déjà rendus au top de leur cycle, comme TOU, exemple. Suncor, il avait décollé hier. Il reste encore un peu de potentiel. Mais de nouveaux décollages aujourd'hui, il n'y en a pas. La plupart des titres qu'on voit qui ont monté, ça fait déjà plusieurs jours qu'ils rebondissaient à la hausse. Quelques-uns ont atteint leur résistance, comme OVV ici, comme Crescent Point, mais c'est pas un début là, du côté du pétrole. Il y a eu à peu près un titre sur trois, sur quatre qui ont produit au cours des derniers jours, qui sont tous rendus à leur résistance ou à la fin de leur cycle. Kodak à New York le 28 mai 21, 500 actions à 7,18. KODK. Kodak aussi qui fait partie de notre liste des Wall Street Bets. Là. Là, il a inversé sa tendance, il a inversé sa résistance. Finalement, ici ce matin, il y a eu un beau signal là que j'ai pas vu, mais parce que j'avais 12 titres dans ma liste, mais lui, je ne l'avais pas, mais il y en a d'autres qui ont bougé. Fait qu'il y avait un point d'entrée à 8$. Là, il est à 8,60 et sur un double top, va probablement revenir dans les 8$ et 10$. Vous avez acheté le 21 mai, ça fait quand même un bout de ça. Le 21 mai, c'était ici. OK, à 7,18, ouais, ça correspond pas mal là, dans ce coin-là, 7,18. Vente 200 à 8,52. Ça s'est fait déjà. Potentiel, oui, mais il faut que... pour l'instant, je mettrai un stop pour le reste de la position à 8,2. Je prendrai une chance de le laisser aller, mais je mettrai un stop à 8,2. RFP Toronto payé 20$. J'ai figé quand le titre s'est mis à descendre rapidement. Oui, il y a quelqu'un qui voulait les shorter un matin. Rien vendu à date. Est-ce que tu penses que son support est atteint et qu'il peut remonter à 21? Il n'est pas bien parti, le secteur forestier, là, pour l'instant. Vous voyez, là, les ETF s'en reviennent à tester leur support. RFP, il est en chute parce qu'il avait atteint vraiment une grosse résistance ici. Puis là, bien, il s'en revient à son support de 14$. Est-ce qu'il peut revenir... C'est-tu RFP? C'est ça? Est-ce qu'il peut revenir à 21? La réponse, je pourrais pas dire non, OK? Est-ce qu'il pourrait revenir? Bien non, mais pour l'instant, moi, je connais juste une direction. C'est que si vous m'auriez posé la question ici, en haut, j'aurais dit, regarde, ça, c'est pas un achat, là, c'est bien trop haut. En plus de ça, il était complètement passé en haut de son couloir, mais là, Guerrilla, il est revenu dans son couloir, là. Et puis... vous dites que vous investissez dans la bourse depuis peu. Vous avez payé 20$. Ouch! Ça fait quand même un bout que vous l'avez, hein? Parce qu'il n'a pas atteint 20$ ici. C'est au Canada, hein? C'est pas le bon RFP que j'ai là, moi. RFP, ça va être le même pattern, mais ce ne sera pas le même prix. OK, vous avez acheté ça sur le sommet, là. Oh! OK, ça, c'est pas évident. Regarde, pour l'instant, c'est vraiment pas impossible qu'ils viennent se corriger jusqu'à 15, 14, là.
Mais en premier, il va commencer par se rendre à 16,75, là, parce que c'est 16,5. Là, okay? Il devrait chuter jusqu'à 16,5, puisque c'est sa formation neutre qui fait deux. C'est la troisième fois qu'il fait ce même scénario-là. Il n'y a pas d'acheteur dans le moment, il y a juste des vendeurs. Le problème, c'est que vous l'avez. Il est allé à 21,25, vous l'avez payé 20$, fait que vous faisiez un petit 4-5% là-dessus, fait que vous n'avez pas pris de profit. Puis là, bien, aujourd'hui, ça vous met à risque. Tout dernièrement, quand il a décroché là, en fait, c'est là qu'était votre point de vente ici, là. OK, 19,5$, là, il aurait fallu sortir de là. Là, il est à 18, puis il s'en va, à mon avis, à 16,75. La question, est-ce qu'il peut remonter? Oui, il peut remonter, mais qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Là, si vous le laissez aller de même par en bas, vous pouvez être stocké dedans pendant un bon petit bout de temps. Si on le regarde dans son long terme, là, ça va être quand même vraiment tough à passer, là, OK? Fait que on a une grosse tendance haussière ici, mais on avait une grosse tendance baissière avant. Qu'est-ce qui va arriver du côté des pétrolières? Regarde, ils sont tous à peu près dans les mêmes conditions. Oups, c'est pas à bonne place. 13, OK. Là, tout le secteur est sur un top. Puis beaucoup de titres sont en correction. C'est pas une position bien enviable, ça, en tout cas. RFP canadien, je reviens là-dessus, mais non, T. Pourquoi il n'est pas là à Toronto? Bon. RFP. Toronto. Oh, tiens, je vais le mettre avec, là, parce qu'il n'était pas dans ma liste, là. Pour l'instant, moi, tout ce que je vois, c'est de la correction. Le problème, c'est qu'une fois rendu ici, après ça, s'il décroche par là, il s'en va vers les 13, 14. Là. C'est bien, pas mal fatigant, cette position-là. C'est votre achat qui n'était pas bien bon à 20$. Là. AMC, j'aimerais acheter ce titre s'il descend avec un prix d'entrée 38. AMC. Pour l'instant, il n'est pas parti par là. 38. Non, ça ne marche pas, votre affaire. Une opinion, ben, si vous voulez, short stock à 38 et 38. C'est à peu près là, là. OK? Donc, c'est un support qu'il y a à ce niveau-là. Fait que ce serait plus bas, mais là, il est à 45. Fait que. Puis il est en ascension, fait que je pense pas qu'on est à l'heure de shorter ça, à moins qu'il vienne inverser cette tendance-là, puis pour du très, très court terme. N'oubliez pas que c'est les Wall Street Bets là, qui sont là-dessus. AMC, regardez son graphique en quotidien, là. OK? C'est prendre un grand risque de shorter ça, ce stock-là. Ils peuvent te le clencher. Regardez comment il avait monté, une affaire de fou ici, là. Puis il monte encore. Écoute, là, il essaye, et puis en plus, c'est pas eux autres, AMC, qui ont annoncé une nouvelle émission. Ils en profitent parce que, à cause du short squeeze, la compagnie en profite pour essayer. C'est-tu elle ou l'autre, là? Jean-Pierre et Jocelyn, là, c'était-tu AMC ou c'était. Je me souviens plus, là, je l'ai oublié. C'était-tu AMC ou GameStop? Pardon? J'ai pas bien entendu que tu as dit. Est-ce que c'était AMC ou GameStop qu'on a entendu qui faisait un financement cette semaine en voulant profiter de la hausse du prix pour émettre des actions à ces prix-là? C'est pas AMC? Ben c'est ça, je me demande, c'est-tu AMC ou GME? Pardon? C'est AMC qui partait de 16,63 $ puis il devait à 58 $.
C'est ça. Ça fait que là, la compagnie en profite parce qu'elle monte même pas à cause d'elle, à cause que c'est bon. Elle monte à cause qu'elle se fait short-squeezer. Mais ça fait rien. Le prix des actions sont là pareil. Ça fait que si tu veux faire une émission d'actions, c'est aussi bien de le faire pendant que les actions sont chères. Mais en tout cas, c'est super bizarre. Ce qui se passe, là, toute l'affaire des Wall Street Bets, on le sait, là, c'est bien, bien compliqué. Fait qu'on suit nos affaires techniquement, puis on embarque dedans dans les signaux techniques. Tu vois, on vient d'avoir un autre nouveau signal sur Bed Bath & Beyond. Là. Regarde, il a inversé sa tendance, il a inversé sa résistance à 11h et à 11h52. Tu vois, regarde, il est parti de 39$ à 41$. Pow! Dans 10 minutes. C'est fou raide, mais c'est ça. Là, c'est Nicolas aussi qui est reparti ici avec des très beaux signaux. Regarde, les volumes sont là, la tendance est là, la résistance a été traversée. 16,70, c'est pas un gros, pas un gros montant, mais là, il vaut quoi? 16,17 ou 17$. AMC aussi qui vient de redécoller. Ça fait que là, comme vous shorter AMC, vous êtes à l'envers. Là. OK? Il faut au moins que tout ça vienne s'inverser. Puis encore là, regarde, ça devrait arriver, puis shorter ça là. Oups là, hey, tu vas pas te faire pogner trop vite. Toi aussi, dans un short squeeze, là, tu sais. Fait que là, vous allez faire le jeu des Wall Street Bets en faisant ça. Mais ça bouge, là, regarde, Palantir, COS, Virgin Galactic, Tilray, ça fait encore un nouveau haut. Fait que là, toutes les Wall Street Bets ont lâché leur dévolu sur ce groupe de titres-là. On a une liste là, de la plupart des potentiels de Wall Street Bets, oui. Ça n'a pas rapport. Je te parlais d'AMC puis de GameStop. AMC, il émettait d'autres actions, mais le prix cible n'était pas fixé. Mais ça n'a pas rapport. Le prix cible, on s'en fout. Là. Ce que je disais, c'est que la compagnie en profitait du jump fait par les Wall Street Bets pour aller émettre des actions à plus cher. Ma question, c'était juste, c'était-tu AMC ou GME? C'est ça. Bon. Merci. Le pétrole monte pour fêter la fin de la COVID. Ça vaut ce que ça vaut. SES à vendre ou achat? Hein? À payer 3,45. Attendez un peu, là. SES, c'est le pétrole, ça. C'est Secure Énergie. À vendre ou... Ou achat, bien pas un achat. Il a pas mal rendu sur le haut de son couloir. Là. Ça, faut réunir le plus de sommets possible. On est presque rendu sur le couloir. Ça, c'est pas à vendre. Vous avez payé 3,45. Ça, c'est la place pour prendre un profit. Et pas en racheter. Vendre, mais pas tout vendre. Vendez-en la moitié. Gardez-en la moitié. Puis après ça, on met un stop à 3,97, puis on s'occupe plus de ça. Bébé passe son 16$, je surveille quel prix vendre, j'en ai à 15,86. Bébé aussi monte à cause des Wall Street Bets. Vous l'avez où au Canada? Attends un peu, je ne l'ai pas ici. On va le mettre là. TBB. Là, présentement, il est à 16 et 13. Vous avez payé 15,86. Bébé. Il commence à être pas mal haut, lui-là, là. Pas mal rendu à sa résistance. À 15 et 15, c'est un drôle de point pour entrer à 15,86, à moins que ça faisait longtemps que vous l'aviez, là, parce que c'est comme
Vous avez acheté ça sur le top du couloir, là. Fait que moi, j'essaierais de ne pas être trop gourmand, là. Puis d'essayer de prendre un profit aussitôt que ça vaudra un peu la peine. Parce que, bébé, si les Wall Street Bets débarquent dessus son dos, pourrait facilement revenir avec une pièce de perte, là. Maxor, c'est un vrai décollage, hein? Oh, XR. En passant, pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être que... On a-tu publié récemment la liste des Wall Street Bets là, que Fabien avait faite, là, qu'on a ici, là, j'en ai... j'ai 21 stocks dans ma liste des Wall Street Bets qui sont des potentiels. Tu sais, même Fubo, il est là. Pardon? La semaine passée? OK, bon, pourrais-tu la republier? Parce que ça fait loin pour aller la chercher la semaine passée, là, à scroller. OK. Fait que d'ici quelques minutes, on va vous publier sur Guru.tv dans Analyse et conseils la liste de ces 21 stocks-là, là, qui sont tous des candidats, qui sont les titres les plus populaires attaqués par les Wall Street Bets. Bon, on retourne sur Maxor. Maxar aux États-Unis. C'est à New York? Oui, c'est ça. Maxar aux États-Unis, un vrai décollage? Non, c'est pas de vrai décollage là-dedans. C'est un petit rebond. Là-dessus. Il n'y avait pas de volume là-dessus, rien non plus. Non, c'est juste un rebond. ETHX.B à Toronto. C'est les Ethereum, ça. ETHX.B. Ouais, c'est un Galaxy Ethereum. C'est un Ethereum. Payé hier 11,65, il vaut 12,45. Je pense mettre un stop de protection à 12. Ouais, mais vous avez payé 71. Ah, OK, vous avez payé 11,65. On va regarder ça. Oui, ça m'apparaît correct. Ouais, moi, je dirais que c'est bon. C'est parce qu'il va avoir de la misère un peu à passer son 12,75. Fait qu'à l'approche du 12,75, moi, je prendrais un profit, c'est encore mieux qu'un stop. J'ai du DBI à 18$. DBI aux États-Unis. DBI. Ouch! 18$, stop 16,5. Oups, on n'est pas bien loin, hein? OK. Bon, je devais payer 18, c'est exactement là, 18. Donc, je ne sais pas où là, que vous l'avez acheté, mais quelque part sur cette ligne-là. Là. Nulle part, ça avait l'air d'un beau signal, mais votre signal de vente, il était plus ici à 17,30 là, ce matin. Ça va faire mal, ça, à 16,5. Une pièce et demie, c'est presque, c'est dans l'entour de 8 ou 9%. J'aimerais savoir c'est quoi les Wall Street Bets. Vous ne savez pas comment les clés. Wall comme un mur. Wall, W-A-A-L. A-L-L, je veux dire. Wall. Street comme la rue. Street. Bets comme bet. Betté comme betté. Combien que je te bet. Bets en anglais. C'est des paris. Bets. C'est paris. Ça fait Wall Street Bets. C'est un groupe qui s'appelle les Reddick. Qui font des transactions sur des sites comme... Il y a de la documentation là-dessus. Hein. Quand vous savez comment ça s'écrit, là, OK, c'est Wall Street Bets. Je vais vous l'écrire ici, là. Tiens. Oups, c'est BETS. Je me suis trompé. C'est Wall Street Bets. BETS. Comme ça. Ça s'écrit de même. Wall Street Bets. Fait que vous pouvez faire une petite recherche là-dessus. Et puis, ce qui arrive, c'est que c'est des compagnies qui vont pas bien.
qui étaient beaucoup vendus à découvert, c'est-à-dire joués à la baisse. Okay? Puis là, ben, les gars, ils se mettent à acheter ça. Puis là, ben, quand le titre part à monter, ben, tous les gens qui en l'avaient shorté, eux autres, ils perdent de l'argent si ça monte. Fait que là, ils forcent les gens à racheter leur position. Puis ça, les Wall Street Bets, c'est une gang de ticus répandus partout sur la planète qui transigent dans des places où ça ne coûte rien pour les transactions, comme Robinhood. Et puis, ils se pompent les uns les autres. Fait que, puis ils se parlent via un réseau, puis ils s'encouragent les uns les autres. Mais c'est pas des millionnaires. Là. Bien, il y en a qui se sont mis millionnaires avec ça, mais il y en a qui ne l'étaient pas. C'est tout du monde qui ont des très petits portefeuilles, puis qui gamble au maximum. C'est comme ça que je pourrais vous résumer ça simplement. SNDL, l'arrêt est terminé. Bien, SNDL, c'en est un autre. C'en est un encore. Ça fait partie de tout le cannabis. Là, tu vois, c'est toutes des Wall Street Bets encore là, qui ont fait monter ça là, parce que le cannabis, il n'est pas populaire. Le cannabis est beaucoup shorté. Avec là, ils font rebondir le cannabis avec ces méthodes-là. Tu vois, on vient de revirer de bord. Fait que là, Il y a eu plusieurs stocks ce matin, Weed, ACB, Tilray, parmi les plus populaires de ça. Puis là, tu vois, c'est fini. La question, c'est que c'est-tu fini? Oui, ça va être exactement la même réponse pour SNDL. C'est du mouvement à très court terme. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est des mouvements intra-séance rapides. Ils sont payants. En autant qu'on est capable de gérer ça. Fait que lui aussi, il est sur un top, puis il va se corriger, il va finir la journée probablement aux alentours d'une pièce à 5. Entrée sur SNDL à 1,5, point de sortie, bien, c'est là. C'est direct là. Je sortirai de là tout de suite. BCA à Toronto, achat 58,34. Télécom. Ouais. La liste des Wall Street Bets, elle est publiée. Il est assez bizarre, Bell. Il monte depuis plusieurs jours, mais un petit peu en dents de scie. Il n'y avait pas rien eu. Il monte sur des petits volumes à part de ça. Pas un titre dangereux. C'est un titre à dividendes. La question, c'est achat 58,34, il vaut 60, il est presque 60,5. Vous faites 2 piastres sur 60 piastres, 2,5% à peu près. Il y a un potentiel jusqu'à 65. Il n'est pas évident. Quand on le regarde comme ça, là, on a l'impression que sa cote d'aujourd'hui, c'est comme la dernière de son cycle. Là. On est en plein sur un sommet. C'est pour ça qu'il n'a pas été plus loin que ça. Là. Regarde, on contraste les sommets de même. Ça fait qu'il va probablement revenir dans les 60 et 30. Moi, je me dépêcherais d'en vendre la moitié, même si on fait rien que 2 piastres, parce que ça va vous faire descendre votre prix à 56. Okay? Donc, votre prix de revient va tomber là. Si vous prenez votre profit là, ça fait que vous n'avez plus de risque. Fait que moi, je vendrais la moitié, je mettrais un stop à 59 et 75. AMD, quand acheté, Advanced Micro Device, AMD. Bien, il n'y a pas trop de presse, c'est pas dangereux. Le titre, il va bien. On est quand même dans un très gros couloir qui est rendu comme ça. Là. Il a changé d'angle. C'est un achat comme sur un support. C'est juste que c'est sa troisième journée qui monte. Il est parti de 72, 75 à 82. Il y a 10 piastres de fait. Il y a une grosse résistance là. Il n'y a pas de gros pourcentage là-dedans. Là. Je dirais que c'est une drôle de place pour l'acheter, juste en dessous de cette résistance-là ici. Là. Fait que je serais d'avis d'attendre de passer les 83, puis avec un objectif jusqu'à 95. Les Wall Street Bets, peut-être que Trump a trouvé une
manière de faire bouger certains types. Ça n'a pas rapport avec Trump, vous voyez, là. Ça n'a pas rapport avec Trump. C'est un groupe de petits zones qui c'est encore... Tu sais, les réseaux sociaux, c'est assez fort. C'est assez fort. Ça n'a même pas rapport. Moi non plus, je ne comprends pas comment ça se fait que la SEC n'agit pas, là, mais on fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Bien, regardez encore les marchés, là. On continue encore. Yo-yo-yo. On va revenir par là. Regarde, le dollar, il reste plus... Encore une fois, on est revenu en bas de 2 dixièmes. On a 0.15. Fait que c'est pas grand-chose. Puis c'est en descente, en plus. Jocelyn vient de dire une chance qu'ils sont là, les Wall Street Bets. Ben oui, parce que sans ça, il n'y aurait pas d'activité partout sur le marché. Mais il y a eu quand même beaucoup de beaux day trades à faire là-dedans. Là. Écoute, la plupart, ils n'ont pas tous été aussi payants. Mais regarde, AMC, Tabarouette, ça a parti ça a décollé à 38 un matin, mais depuis son mouvement de 42 à 50, là, ça commence à être de la belle argent. Byung, il a fait 5-6 piastres. Palantir, il a fait une piastre. SpaceX a fait une piastre. Tilray, il a fait à peu près une piastre aussi. Bed Bath & Beyond, ça a été une poussée fulgurante tantôt. Mais regarde, ça revire de bord. Ça dure un temps, mais ça ne dure pas tout le temps. C'est pas du long terme, c'est du court terme. Mais pour quelqu'un qui contrôle un peu les connaissances en analyse technique, il y a de l'argent à faire là-dedans. Imaginez-vous si des pirates informatiques s'emparaient des marchés boursiers, qu'est-ce qui pourrait se produire comme marché? Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça. Il y en a partout des pirates. Là. Pour l'instant, c'est le gros fléau des arnaques. Là. Ça, c'est rendu épouvantable. Là. C'est la plus grosse, une des plus grosses compagnies de production de viande au monde, là, au Brésil, là, qui a été attaquée. Là, ils prennent possession de vos ordinateurs, puis là, ils vous demandent une rançon, sinon, ils bousillent tout. Là, c'est ce qui est arrivé avec Colonial, le pipeline, la dernière fois. On ne saura jamais combien ils ont payé, mais ils parlaient de 5-10 millions. Après ça, ils parlaient de 90 millions. Mais apparemment, ils auraient payé. Fait qu'écoute, là, tant que les pirates vont se faire payer, les pirates vont continuer de pirater, là. T'sais, mais un jour, ils vont peut-être trouver le moyen d'arrêter ces gens-là. Mais tu sais, dans le temps des pirates des Caraïbes, là, ça a pris du temps avant qu'ils arrêtent. Il a fallu qu'ils fassent avancer la technologie pour mettre fin à ces affaires-là, mais ça va être encore la même chose là. Fait que, c'est comme les crypto-monnaies, là. C'est belle cochonnerie, cette affaire-là. C'est incontrôlable. Puis le problème, c'est que chaque pays fait ses propres lois. En tout cas, là, c'est quoi tu vas faire quand que ça va être rendu que des bitcoins, tu mets ça dans des comptes offshore? Mais là, le gouvernement ne pourra pas mettre son nez dedans. Mais pour l'instant, quand vous achetez un bitcoin, en tout cas, la règle au Canada, j'ai su ça de mon comptable cette semaine, pas celui de Décision Plus, mais mon comptable personnel, qui dit que, parce que c'est la première chose qu'il m'a demandé quand j'ai apporté mes impôts, si j'avais du bitcoin, j'ai dit non, il n'y a pas de danger, j'en ai pas, je ne joue pas avec ça, ça ne me tente pas, parce qu'il m'a dit il faut les déclarer.
Fait que vous devez déclarer vos bitcoins dans l'impôt. Puis maintenant, il y a une loi obligatoire au Canada, c'est que quand vous achetez un bitcoin, il faut qu'il soit associé à votre numéro d'assurance sociale. Donc, quand ceux qui disent que les bitcoins sont anonymes, bien, peut-être dans certains pays, mais pas au Canada. Puis là, le Nicolas, bon, c'est Nicolas, mais en tout cas. Puis, fait que, gars, il vient de faire 17,80 encore, hein. C'est complètement débile. Mais c'est là que l'activité se passe. Tout simple que ça. Ailleurs, regarde, le marché descend, lui. Donc, les affaires, en fait, c'est les compagnies les plus poches qui montent. C'est drôle à dire, mais c'est ça pareil. Et, tu sais, parce que, regarde, AMC Entertainment, là, il n'y a pas une raison que ça monte, pas plus que les autres entertainment, mais parce qu'ils ont lâché leur dévolu là-dessus. GameStop, c'était en faillite, ça, il y a un an. C'était sur le bord de la faillite. Mais là, les actions valent bien cher. Bon, la compagnie ne fait pas plus d'argent qu'avant. C'est juste les Wall Street Bets qui poussent les prix à la hausse. Mais en analyse technique, l'important, c'est d'acheter puis de vendre puis de faire de l'argent. Ouais, dans quel monde qu'on vit, là, hein? C'est rendu compliqué. Mais c'est pour ça que, dans le fond, hein, on s'en fout que ce soit fondamental, la raison pour laquelle, parce que les stocks, les titres de Wall Street Bets, là, ça monte pas pour des vraies raisons, ça monte pour des fausses raisons. Ça monte pas parce que les compagnies vont bien. Non, ça monte parce que les compagnies allaient mal, puis que là, ils se font squeezer dans des rachats short. Mais l'important, en analyse technique, on transige des mouvements, on est des chasseurs de mouvements. Tiens, regarde, Nasdaq qui redescend encore. Fait qu'on va arrêter le show à midi et demi, une heure de show pour répéter la même chose tout le temps, c'est bien bon. Mais en tout cas, regarde, je vous l'ai donné, la liste, là. Vous avez, c'est le grand débrouillage aujourd'hui, là. Vous l'avez là. Regarde, vous cliquez dans Market Vision, vous cliquez sur le bonhomme Gourou, ou bien vous allez dans le site de Gourou lui-même direct, puis regarde, vous avez la liste, là, ici, là, liste des WSB, là, OK? Fait que si vous avez Market Vision, vous cliquez en bas, vous pouvez la transférer directement dans le logiciel. Regarde, je clique dessus, clouc, vous voyez, là, mon logiciel, il devient la liste des Wall Street Bets. Fait que là, après ça, bien, vous pouvez mettre un « i » partout, puis là, vous faites « shoot-moi ça dans une de mes listes ». Tous les stocks qui ont un « i », là, « poum, poux », vous allez vous la ramasser, là. Alors, moi, j'en ai une qui est en haut, là, regarde, le titre, ma liste de Wall Street Bets, il est déjà dans là, mon Market Vision. Si vous n'avez pas Market Vision, bien, vous pouvez quand même les noter pour les suivre autrement, ou si vous avez Traders, ça se load aussi. Mais sinon, bien, si vous avez juste accès au site parce que vous n'êtes pas abonné, bien, vous cliquez là-dessus. Hop, attends un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Là-dessus, exposé. Attends, il faut que je vais repartir de zéro. Ça, exposé, loader en texte. Bon, ça ne marche pas pour une raison ou pour une autre. OK, attends un peu. On va finir faire autre chose. Ça. Ah, je ne sais pas pourquoi qu'elle ne se load pas en texte. Bon. Ça, c'est bizarre. D'habitude. Comme dans l'annonce, c'est bizarre. La femme a fait des œufs pour souper. Le gars, il dit, c'est bizarre. Il est en train de changer une lumière. Puis la femme a dit, c'est toi qui es bizarre, tu t'achètes pas des chilles parce qu'il est monté sur le dos de son fils pour changer de lumière. Bon, OK. On peut-tu checker ça, là? Parce que liste des Wall Street Bets en bleu, là, habituellement, là, quand on clique là-dessus, on l'a en texte dans l'écran. Là, elle se download quand on clique sur en bas, mais elle se download pas quand on clique dessus. Pour ceux qui n'ont pas Market Vision Plus, là, ils peuvent pas les noter. Ah, il commence à avoir du bruit à l'entour d'ici. Imaginez-vous donc que là, ils vont bâtir la station de métro La Cordaire à côté de chez nous. Oh boy! Je suis pas chanceux parce que, dans le fond... Ça fonctionne. Tu l'as essayé, ça fonctionne? Bien, moi, ça fonctionne pas. Attends, on va réessayer encore.
Moi, ça fonctionne pas. Ça apparaît liste WSB en haut, mais je les vois pas. Anyway. Oui, je disais, ils construisent la station de métro La Cordaire à peu près 300 mètres à peu près d'ici. Là. Fait que là, on entend toutes sortes de bruits épouvantables. Puis là, ils vont commencer dans les prochaines semaines à planter les pieux. Tu sais, les pieux, là? Bang! 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 J'espère que ce sera pas trop désagréable. On va me prendre un système de son spécial et un anti-bang. Puis en plus, dans cet immense building où je suis, que j'aime beaucoup, là, j'ai appris la semaine passée qu'ils vont tout refaire les membranes. Il y a 4 étages de garage ici, puis ils vont recommander ça. Ça fait que là, ça ne fera pas de bruit, mais c'est juste que je vais être pogné pour... J'ai mon Jeep puis ma moto dans le garage. Hey, là, c'est où je vais mettre ça? 2 mois, ça va durer. Fait que pendant 2 mois, on ne pourra pas rentrer dans le garage. C'est plate. Tu peux faire un print screen. Ça ne me donnera pas grand-chose. Je le vois même pas à l'écran quand même que je ferai un print screen. En tout cas, si vous avez Market Vision Plus, vous pouvez le transférer là-dedans. Puis si vous ne l'avez pas, bien, regarde, vous n'avez rien qu'à loader la version gratis de Market Vision Plus pour les 7 jours, vous allez l'avoir. C'est ton antivirus qui bloque ton clic de « j'ai pas d'antivirus » de WSB. Tu as eu un avis au début, puis tu l'as fermé. En tout cas, moi, je vais regarder ça par quelqu'un. Là, moi, je ne penserai pas à faire du service technique pendant l'émission. Ça fait que tant mieux, si ça marche pour vous, elle est là, puis moi, ils m'ont dit que ça marchait. Mais à ce que je cherche, j'ai pas de patente de même qui bloque. Bon, regarde, ça descend rapide, hein? Nasdaq, il reste plus grand-chose. Il reste un dixième. Un dixième sur le Dow, un dixième sur Nasdaq, puis c'est en plongée en plus, avec un volume qui augmente. Rien pantoute. À 2 heures, il y a le livre beige qui sort. Mais tu sais, le livre beige, là, comme je disais un matin, beige, tu sais, beige. Beige, c'est drabe. Donc, habituellement, il ne se passe pas grand-chose avec ça, le livre beige. Mais sait-on jamais? Chose certaine, c'est que là, pour l'instant, le marché viré de bord, on s'en va à plus grand-chose. Les Wall Street Bets, les autres, ils n'ont pas lâché. Regarde ça, AMC, c'est effrayant. Ils continuent encore. Ils viennent de faire 10 % de 12h20 à 12h24. Ils viennent de faire 10 % en 4 minutes, AMC. C'est malade, hein? Il y a un bébé aussi, il est en feu. Bon, tiens, je vais aller là, c'est là qu'il y a le plus d'affaires dans Wall Street Bets. Donc, AMC, GME, COS, Nicolas, il a l'air d'avoir fini. Mais ça bouge. BTCC.B, oui, ça c'est le Bitcoin. À Toronto, ça. BTCC.B. Cling. Bon. Payez 7,20. S'il vous plaît, ton opinion sur ma position. Bon, mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous perdez de l'argent, mais ce n'est pas une nouvelle, vous le savez. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il remonte en direction de sa résistance de 7,28 $. Puis vous avez payé 7,20 $. Ça fait que vous avez une chance de rentrer dans votre argent. Il y aurait un signal de vente à 6 $ et quart. Donc, ce serait une perte d'une pièce sur 7 $. C'est pas mal d'argent. C'est en entour de 15 %. Mais définitivement, 6 $ et 25 $, il y a un signal de vente. Mais je pense que vous allez être bon pour rentrer dans votre argent, Mathieu. Tabarouette, qu'elle est dans les, lui. De 12h23 à 12h27, ça fait 4 minutes. 4 minutes, 53 $ à 62 $. En 4 minutes, 53 à 62 en 4 minutes. Il faut le faire, là.
Puis regarde, ça ne durera pas. Là. Écoute, là si vous en avez, là, prenez-vous un profit de rester là, là. Une tendance à 80 degrés, ça ne dure pas. Là. Ça va revenir. Là, OK? Ça va se corriger encore, cette affaire-là. Fait que ça, c'est l'heure d'un profit ici, là, puis ça presse. GME, c'est pareil. Complètement sur le top d'un couloir. Ça, c'est un profit qu'il faut aller chercher là. Express, lui, est en train. Il a l'air en train de décoller. Je vais le mettre en 15 secondes pour le voir un petit peu mieux. Ouais. Il a décollé ici, puis là, il est sur un top. Non, ça, c'est pas un point d'entrée. Ça, c'est un point de prise de profit aussi. Bébé, Pyong de Mead, c'est pareil. Regarde, depuis son inversement, puis son décollage, 140 à 146 qu'il a fait. Nicolas, il est fatigué. Naked Brand aussi. Là, c'est Bed Bath & Beyond qui vient de faire une autre petite ride avec la traversée de sa résistance à 40,25, qui fait une pièce, c'est 2,5%. Bon, c'est Virgin Galactic maintenant qui redécolle. C'est complètement fou. C'est la seule affaire qu'il y a. C'est la seule affaire qui se passe. Regarde ça. Ouf! Regarde-moi la folie, toi. OK, bon, on prend un deuxième profit, ça vient de s'éteindre. Pas plus compliqué que ça. Regarde, c'est malade mental. Je ne comprends pas pourquoi. C'est drôle, plein d'autres compagnies les arrêtent. Puis pourquoi, avec les gros pourcentages que ces compagnies-là bougent, pourquoi ceux-là ne les arrêtent pas? C'est ça que je ne comprends pas, moi. Des compagnies qui ne sont pas la proie des Wall Street Bets, surtout que ça monte trop puis qu'il n'y a pas de nouvelles associées à ça, paf, ils les mettent en arrêt de transaction. On en a vu encore ce matin. Il y en a plusieurs. Puis ceux-là, ils n'arrêtent pas. Je ne suis pas l'affaire. Moi, je ne sais pas si AMC est halté. Ah, oui. Bon, il fallait bien que j'en parle. la SEC sont branchés sur l'émission. Oui. Bon, fait que oui, il est halté là. Ben oui, c'est débile. C'est complètement débile. Mais il n'est pas juste en arrêt de transaction, il est en arrêt de bid and ask aussi, parce que très souvent, les bid and ask continuent à bouger, même si le stock ne peut pas se transiger. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, ni le prix, ni le bid and ask. Ça va être stocké là pour 5 minutes. Il va sûrement arriver à d'autres aussi. Là. Regarde, il n'y a pas de raison qu'il n'arrêterait pas GME, puis COS, puis Beyond the Meat, toute la patente, il faudrait tout qu'ils arrêtent un peu. Là. Oui, c'est ça, les deux, trois personnes qui disent ça. Bébé au Canada aussi est parti. Oui, bien les deux bébés, ils suivent les deux. Là. Les deux bébés, c'est des frères jumeaux, mais il y a un Canadien et un Américain. Deux frères jumeaux, mais pas de même nationalité. OK, le pote s'est calmé. Bon, mais dans nos day trades, on l'avait à matin, AMC puis BB, mais il est dans notre liste de... Hop, celui-là, j'avais donné à surveiller tantôt. Il a fini par décoller. SKLZ, Skillets. C'était un de mes day trades de ce matin. Il continue à pousser dans le moment. Fait que des occasions, il y en a. Parce que je vous disais, bébé, on va le mettre à la place ici, on va mettre bébé Canada ici, regarde. T, bébé, c'est identique, là. Canada ou États-Unis, regarde, c'est pareil, là. C'est le même graphique. C'est juste pas le même prix, parce qu'il y en a un qui est en américain, puis l'autre est en canadien. Ouais, AMC toujours en arrêt. Et le marché qui est presque rendu à zéro. Regarde, c'est une ligne droite, là. Comme ça. Bang. Fait que tout ce qui a été gagné ce matin, c'est un coup d'épée dans l'eau. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui arrive avec ce foutu marché-là? Pourquoi le marché ne décolle pas? Tu sais, on disait tantôt, Caro disait tantôt, ah, il fête le pétrole fête la fin de la COVID. Ouais, mais le marché, il s'en va nulle part. C'est quand même vraiment bien bizarre, cette affaire-là. C'est bien bizarre. Bon, là, c'est fini. Là, les titres aurifères vont venir à la baisse. Comme ça a fait à peu près tous les jours.
Tiens, le SPY va redécrocher encore une fois. Le rebond n'a pas été soutenu. Ça, c'est égal à la tendance à changer, à changer de bord. Donc, elle ne change pas de bord, je veux dire, elle accélère. Donc, il ne restera pas grand-chose tantôt, là. Je crois que le secteur TXBM retourne en cycle baissier. Ça, c'est le secteur minier. Il est bizarre parce qu'il a monté deux fois le secteur minier, une shot ici puis une shot là. C'est tout ce qui s'est passé. Bon, on avait parlé d'un achat sur support pour les minières. Après ça, dans le décollage de First Quantum, une demi-position, j'avais dit. Tech aussi, c'était la même chose. Là, le profit doit avoir été pris. Puis si on est dans First Quantum, là, on met un stop à 29 et 30. Tech, c'est 29,75. Moi qui voulais shorter AMC, s'il descendait au prix de 38,38 dans une autre vie, peut-être. Oui, bien, c'est ça que je te disais. Mais en tout cas, c'était pas, peut-être pas vous, Dan, mais il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça. Tantôt, j'ai dit, ouais, attention, là, il s'en va de l'autre bord. Là. Vous allez faire l'affaire des Wall Street Bets, c'est vous qui vous allez vous faire vous squeezer les couilles. On fait quelques minutes encore, mais je vais aller me chercher un verre d'eau. Je vais faire une autre petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Et voilà. Bon, Mathieu, dernière question pour aujourd'hui. Ouais, tu es en train de passer ton quota, Mathieu. LB acheté à 43,75. Mais c'est toi, Mathieu, qui disais tantôt que tu étais nouveau. Dans le sens, peut-être dans le sens inexpérimenté. Là, on commence à être proche de la saturation pour LB. La banque Laurentian, 43,75. Bon, moi, je prendrais une chance peut-être de le laisser aller si vous voulez, mais on est sur le top d'un couloir, OK? Fait qu'il pourrait revenir chercher le couloir d'en bas, puis là, il tomberait à perte. Fait que moi au minimum, 43,75,
44,46, vous faites 75 cents. C'est pas énorme. Mais je mettrais quand même un stop. Un stop-loss à 44,25. Il n'y a pas de petit profit. Est-ce que ça pourrait être le marché que le marché craint des hausses de taux d'intérêt? C'est toutes ces réponses, hein? En fait, le marché craint de l'inflation qui provoquerait une hausse des taux d'intérêt. Mais Jérôme Powell lui a dit qu'il ne montrera pas les taux d'intérêt avant la fin de l'année, mais ça, lui, il change d'idée comme il change de bobette, là. Je ne prendrais pas ça pour du cash, parce qu'il y a trois semaines, il avait dit que pas avant 2023. Ça, c'est encore bien plus cinglé, parce que tu ne peux pas faire des promesses de même pour un an d'avance, et un an et demi d'avance, les taux d'intérêt, là, et plus. Ça fait que, oui, ça fait partie de ça, mais j'ai beau chercher dans ma tête, là, je ne trouve pas la raison pour laquelle. Regarde, ils n'arrêtent pas de sortir rien que des bonnes nouvelles. Les résultats financiers étaient bons. Ils disent que l'économie a décollé, que les vaccins foncent à fond la caisse. Tout le monde s'entend. Puis le déconfinement va continuer, puis... OK, mais moi, je m'attendrais à voir... Tu sais, on dit toujours le marché, il est 6 mois en avance. Mais c'est ça, en pleine COVID, le marché a commencé à remonter. Puis là, à cette heure que la COVID, elle achève, puis que supposément que l'économie va bien, le marché ne monte plus. C'est quoi la morale de l'histoire? Bien, regarde, on s'en va où... nous autres, les marchés, on les analyse, on les suit, puis on profite des affaires qu'il y a à faire, quand il y a des affaires à faire. Puis aujourd'hui, c'est une pause de Wall Street Bets. Si les Wall Street Bets n'étaient pas là, je me demande bien qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui. Il n'y a rien. Regarde. Regardez, l'énergie, là... L'USO, là, il est plafonné, là. Les titres ont pris de l'avance. Puis, mais ça, c'est la fin d'un cycle, c'est pas le début. Et puis, dans l'or, il se passe rien pas en tout. C'est tout flat, c'est pas décollé. Dans les mines, c'est en train de se corriger. L'argent, c'est complètement flat. La consommation discrétionnaire, c'est en correction. La consommation de base, c'est complètement nul, neutre. Il n'y a aucun mouvement là-dedans. Il y avait du Bell qui bougeait une petite bite et tout. Télécom, c'est complètement neutre. Les services financiers aussi, c'est même en légère correction. Les industriels, c'est en correction, bien clairement, à partir de la résistance. Les real estate, c'est flat. Les services aux collectivités, regarde, ils sont tous pareils. Ça fait pareil comme le marché. Puis le cannabis, bien, c'est du petit mouvement à très, très, très court terme, encore une fois, comme j'ai montré tantôt, par les Wall Street Bets. Mais là, regarde, c'est terminé, là. OK? C'est terminé, là. Regarde, on est complètement plafonné là-dessus, là, sont essoufflés, là, les petits reddicks, les petits reddicks, là, qui essayent de carnac le marché, on pourrait dire, sont essoufflés, là, sont fatigués, là. BB vient de décoller de 17,35 à 15,85. Décroché, pas décollé, décroché. Ah, ça se peut. Regarde, c'est ce qui arrive, là, quand on joue avec ça. Regarde, tu vois, il y a eu un gros sell-off ici. Pouf! Ça, c'est américain. Là, vous, c'était canadien, je suppose. OK, le canadien, je l'avais mis dans l'autre site, tiens. Hop, tiens, AMC, il a été arrêté de transaction. Il a rouvert. Pouf, il a planté. Il a été arrêté de transaction encore. Bang, il a remonté. 50 à 57, 58. Donc, il a fait 8 piastres ici. Là. Ça dit que, regarde, ça prend pas, ça prend un graphique en 10 secondes là, pour être capable de suivre la POC là-dedans, là, parce que sinon, tu vois pas tout ce qui se passe. Là. Regarde, en 10 secondes, là, prend pas de temps. On parle d'un graphique en 10 secondes, OK? Donc, ici, c'est 49,75 à 53. Puis là, regarde, c'est des mouvements d'à peu près une piastre ou deux, 53 à 54,5. Donc, des mouvements de... Là, ici, c'est un mouvement de 2 piastres, une piastre et demie, une piastre et demie.
Puis là, bien, on est dans une phase neutre. Écoute, ça bouge tellement, les volumes. Écoute, on parle de 10 secondes, on parle entre 200 et 500 000 actions transigées par 10 secondes. Là, je l'ai mis en 5 secondes. Là. Regardez, 5 secondes, ça. Ça, c'est 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Fait que ça se passe assez vite, l'affaire, OK? 55, c'est un gros point de sortie, présentement. Bon, le TSX s'est passé négatif. Le DAR a fait son petit rebond, il est fini. Donc, ça s'en va à zéro. Là. On regarde bien ça. Les marchés vont passer négatif là, tantôt. Ça fait que, bon, écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. Là. Regarde, c'est là qu'est l'action. OK? Il n'y a pas grand-chose qui se passe ailleurs parce que les marchés se corrigent. Ça fait que là, il y a un temps pour les acheter, puis il y a un temps pour les prendre des profits. Là. Faites attention parce que les Wall Street Bets sont tous en train de revirer de bord. Il n'y a pas juste bébé, là. OK? Il y a toute la gang, là. Ils sont presque tous en plafonnement. Il y a juste Palantir qui est encore là, mais qui est pas mal sur un double top, là. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de correction à venir. Je vais vous laisser là-dessus. Il y a une heure moins quart. Moi, je ne serai pas là en début d'après-midi parce qu'il faut que j'aille pour une vérification de mon dernier implant dentaire. J'ai rendez-vous à 2h15. J'ai des chances que je sois revenu ici pour 3h, venir faire peut-être la dernière émission. Mais ça va être Jocelyn qui va être avec vous à 2h. En attendant, bien, peut-être que je vous vois plus tard, peut-être que je vous vois, qu'on se revoit demain matin. Passez une excellente après-midi et à bientôt.